président Compa, ancien président de la République, El Michele Matala, il y a un gros problème côté ma parler avec nous là. Probabilité pour que Matéli prenne code dans le pays, les États-Unis d'Amérique. C'est devait être extrêmement grave. Matéli sont musiciens. Moi-même, c'est mon qui connaît tant de Sutmiki, danser Sutmiki. Sutmiki, qui ont bolé au qu'il fait. Ce n'est pas que vraiment pire, ce n'est pas enragé. Mais là, je ne suis pas fanatique. Ouais, là, moi, je ne suis pas fanatique. Ça m'a tendé là. Ça m'a pas pris là. Je ne suis pas fanatique. Si c'est ça, on dit là, c'est vérité. Moi, je ne suis pas fanatique. Mesdames et messieurs, il y a un journal très connu après New York Times qui a fait une grosse révélation qu'elle fait. Et bien, définitivement, il y a un autre journal qui est le Washington Post qui font des nier grosse déclaration là. Le journal a demandé qui ça fait Matéli en liberté toujours, qui ça fait pour qu'on foute Matéli en bas de toujours. Qui ça fait Matéli qui a visa américain toujours? C'est ça le journal a dit, oui. Ou kono bagay? Yo poko jom si te Reginald Boulos. Yo poko jom si te Dimitri Vob. Et comme si n'dadou pepa isi abliye yo. Matéli son mayon liye nan chen nan. Kiko Seremi son mayon liye nan chen nan. Même pas bon menti bouk chen nan. Mike Krema yo. Se le Boulos, le Vob, le Bosan, le Meuse, le Akra, et moun sa yo. Le sikne ki nan gaz, se moun sa yo ki bay gwo l'ajan ki touye président Jovenel Moïse. Aïe, c'est fois, m'sam, m'a dit non, green bagay. Nous pas prendre un an pour 6 ans. Matéli, même si on calait tête li, li gen ti couleur bagay sa yo, c'est tête green ni. Li pas supposé arriver côté arriver là. Pour nous la citer dans gros bagay sa yo. Mais, c'est pas pour autant pour m'quitter yo, faire le poté tout chayo. Non, pas comme ça. Matéli, pas tap katoué Jovenel Moïse pour contre li. Sous quelque soit forme nan. Li pas tap capable. Matéli, c'est jouer qu'on a joué. Dis Jovenel Moïse bêtise. Sophia Matéli, qu'on a dit Martin Moïse bêtise. Matéli, qu'on a plavé pour la Jovenel Moïse. C'est ça. Il n'y a pas de katouye pour contre lui. Il va foutre katouye pour contre lui. Un boulot, Dimitri, il va finir tout. Qu'on y a là, nous pensons. Nous avons dépensé gros l'argent. On va nous amener de la poune, détourner l'attention au monde. Mais non, rêve. Famille, amis, plateforme YouTube, Foberto. M'a dit nous ça clairement. Matéli impliqué. Oui, c'est clair. Mais Matéli, pas katouye Jovenel Moïse pour contre lui. Ça, c'est clair. C'est plus que clair. Ok? Tout le monde met voye monter, fait sauver. Même pas de nous mentir. Matéli a payé. Boulos a payé. Dimitri Vob a payé. Sekne qui n'a gaz a payé. Jean-Marie Vob a payé. Madame Préval a payé. Tout le monde a payé dans Petroville. Nous tous, un président. Nous avons eu une famille. Sauf sans famille, sauf sans race. Pas de race comme ça. C'est la dernière fois que vous avez fait dans le pays. Nous respectons les liens. Après, nous respectons la vie de tes graines. Après respecter la vie nègre de yon. Nous pas baye sa importance. Faut nous tracer un exemple pour Haïtien. Faut tracer un exemple pour bagay sa. Pas jamais répéter dans l'histoire nous encore. Boulos ou de yon. Et les petits tout dans le pays. Continue à vendre machine. Continue à vendre bagay dans le market ou yon. Et ça. Avec l'argent pays. Ou fin tout le président. Pas les caca comme ça. Haïtien Femme Femme. Claude Joseph. T'es parlé. Li parle encore. En nous tendez la vidéo ça. Et puis, rendez-vous 7h30. Après-midi, moi menou en pile. Pour nous tendez causer qui détail sur le dossier El Michele Matala. Dans la vidéo ça, après, j'ai une pile causer, oui. Retenez dans la vidéo. Parce que, il y a des bagages que vous voulez apprendre. Moi menou en pile. On avance. Juge Gary Aurélien invite Mme Martine Moïse. Vient répondre une question dans le cas d'enquête sur l'assassinat président paysan qui se Jovenel Moïse. Mme Martine Moïse était à l'étranger. Li rentre. Li vient répondre. Question juge là. Juge Gary Aurélien invité. Ancien Premier ministre Claude Joseph vient répondre à question dans le cas d'enquête sur l'assassinat président paysan Jovenel Moïse. Ancien Premier ministre Claude Joseph déplacé la répondre à question juge là. Ancien directeur de la police nationale d'Haïti. Monsieur Léon Charles, juge Gary invité pour venir répondre à une question dans le cadre d'enquête sur l'assassinat président Jovenel Moïse. Non? Eh bien, hier, monsieur Léon Charles déplacé là, lui répondre à une question juge.
pas de problème. Ça, c'est des Haïtiens qui connaissent que yo pas au-dessus de la loi. Juge l'a fait appel avec eux, yo vient répondre une question. Rockefeller Vincent, ancien ministre de la Justice, Claude Joseph, Jovenel Moïse. Juge Gary Relien fait appel à Samavel pour venir répondre une question dans le cas d'enquête sur l'assassinat du président paysan Jovenel Moïse. Kappa! Rockefeller Vincent, son cas spécial. Gon information nous fait jeune là. Rockefeller Vincent, tellement de menaces sous dos l'hyper. Parce que Nega Ariel Henry a menacé pour tuer. Automatiquement, Ariel Henry te fini revoquer, monsieur. Il retire toute sécurité, monsieur. Il prend l'un des noms, monsieur. Et bien, qui s'est passé? Rockefeller Vincent, c'est un catimini. Il traverse les frontières, il passe par la République Dominicaine. Pour aller prendre avion, pour le tomber aux États-Unis d'Amérique. Rockefeller Vincent fait demande d'asile politique. C'est information ça que nous gagnons. Et bien, Kounia, est-ce que ça pas bon problème pour Rockefeller Vincent rentrer dans le pays d'Haïti pendant qu'il fait demande d'asile? Et c'est sûr que il a répondu. Parce que il y a toute preuve que les gens pile menace sous dol. Est-ce que nous comprenons ça, nous là? Eh bien, pour aller plus loin, qui s'est passé? Ariel Henry, qui t'a parlé avec un exécutant, crime ça, avant crime, non, pendant crime, non, après crime, non, non, monsieur, c'est Joseph Félix Badjo, qui s'est fait que Ariel Henry, yo questionné, ou, comme ça, du gouvernement invité, ou révoqué, ministre justice, parle sur dossier ou révoqué. Secrétaire général, conseil des ministres, parle dans dossier ou révoqué. Secrétaire général de la présidence, afflité dans dossier ou même avec équipe Gangalil, PHT, Katak Kalimateli, nous entrons dans le palais par la force, nous foutons l'idée. Et nous avons un plan avec Ariel, avec Joseph Félix Badjo, pour nous assassiner dans la boule. Parce que la vie est à rase. Aïe, c'est Fremsem. Qui s'est passé à Ariel Henry lui-même qui cause il n'est pas capable de répondre à une question juge Gary Aurélien dans le cadre du dossier ça. C'est une bagarre extrêmement grave. Vous stupide. Ou parlez avec assassin. Tu as même une information qui fait quoi que le assassin fin tout le président, c'est où le tal joine. Vous avez rencontré avant. Pour aujourd'hui, hein, la justice pas qu'à questionner. C'est gros pour y être cap fait. Tout le monde est clair, mais tout criminel qui touche Jovenel Moïse. Yo. Mais le représentant n'est qui baille l'argent pour tout le président, mais il est dans le pouvoir. Et numéro 1, c'est Ariel Henry. Aïssé Fremsem prend responsabilité. Jean-Claude m'a annoncé, non, matin, mesdames et messieurs, Claude Joseph, à parler politique. Politique violente. Que des gens qui passent sous lui, moi, je vais le décortiquer ensemble avec nous. Dans la vidéo, ça. Parce que, il y a des informations. Il y a des choses que nous devons connaître. Il y a des choses qui passent dans l'assassinat de Jovenel Moïse, que nous devons connaître. Il faut nous connaître une raison qui fait que Claude Joseph te remet à Ariel Henry au pouvoir. Avec autant de facilité comme ça. Ça veut dire, son paquet de questions que nous t'a posé et que nous-mêmes, dans la vidéo, ça, que nous prenons une réponse. C'est extrêmement important. Alors, gens qui nous connaissent, je dis bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, ou attendez nous, ou regardez nous. Encore une fois, c'est toujours un plaisir pour moi pour que ensemble avec nous. Et ça a vraiment fait du bien à chaque fois que je me connais. Je vais partager mon moment ensemble avec nous et que je connais nous réagir à travers les commentaires. Nous allons dire tout ce que nous pensons, tout ce que nous comprenons à travers ce bout de vidéo. Ça parce que, qui s'est passé? Ou pour le temps de en pile causé, il y a un pile bagage qui prend l'attirer attention, il y a un pile information que vous pouvez gagner. Et bien normalement, vous avez une réaction par vous. Et normalement, dans la vidéo, dans l'espace commentaire, nous avons intervention pour là. Très important. Et normalement, pour nous rappeler, nous,
pour tout contact avec plateforme ça qui c'est channel YouTube Info Beto, c'est 809 619 43 54. Pas oublier mettez plus 1 devant. 809 619 43 54. C'est WhatsApp seulement. Call direct ou pas ka jeune. OK? Très important. Yon pèl, yon bourret, yon balé. Haïtien Fremson, opération ça, li pap dormi. De jour en jour, ap gen plus bagay kap ajouté. Parce que li très très important. Population comprenne ni. Moun Jérémy, yon m'a bat bravo pour nous. Moun Jérémy. Moun nan Nick Miragwan, la kay, commissaire Miskade. Commissaire Miskade m'salue ou. Commissaire Richemont m'salue ou. OK, moun port de paix, m'salue nous. Monsieur Bessapio nan port de paix, m'salue nous. M'a dit nous que Kebe red red monsieur, yon pèl, yon bourette, yon bali. Très important parce que faut que pays ça propre, faut que pays ça clean. Li très très important. Encore une fois, m'a dit nous que moi ramène nous en pile. Et c'est toujours un plaisir pour moi pour que m'vienne partager moment sans ça yo, pour que m'vienne partager moment ça ensemble avec nous parce que nous gen de bagay qui nous pral connait ensemble. N'a pas avancé. Claude Joseph nan yon intervention qu'elle t'a fait. Li parle en pile vérité. Et que nous-mêmes, point par point, nous pral analyser ensemble avec vous. Très important. N'a pas avancé. Ancien premier ministre, Claude Joseph, n'a pas salué. En avance avec elle. Dans le cas d'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, est-ce que vous avez une volonté politique? Ou connaît? Ou pas connaît? On nous demande, ancien premier ministre, non. Claude Joseph, la répond non, oui, parce que M. Sonne qui l'âge. Li véridique, la parle. Père Claude Joseph, est-ce que y a une volonté politique pour que l'enquête abouti? Pas notre explication, non. Parce que la population a besoin d'explication sur ça. Pas avec nous, non, PM. Moi, je m'appelle lui. On avance, non. Pas une volonté politique pour enquête la abouti. C'est pas question, Samuel Adala seulement. Pas gagner volonté politique pour gagner enquête. Et ça, c'est clair. Ce n'est pas sans raison. Moi-même, personnellement, je suis écarté du gouvernement. Parce que pas de monde qui est capable de faire silence sous la mort Jovenel Moïse. Pas de monde qui a fait silence sous lui. Bon, moi, et si je n'ai pas besoin d'être dans le gouvernement... Non, tu as dit faire silence. Tu as fait silence, okay. Posé, d'abord. Ça pas d'abord irritant. Mon cher, bon, je vais me dire, qui t'a dit ça? Ancien premier ministre, il s'est fait étranger. Pas dégager ou raconte ça avec moi. Ou font un père grave. Yon ti rectification. GPPC dit Karibi Bolchal. C'est yon ancien ministre affaires étrangères qui a pris ses voix. C'est yon ancien premier ministre qui a pris ses voix. Ou répétez, premier ministre là, que li fait. Il y a un père grave. Qui s'est passé? Parce que les questionnés, il y a un assassin criminel qui touche le Jovenel Moïse. Là, moi-même, pas d'accord avec vous. Et quelque part, il y a un peu de crise sur ça. Mais je me suis parce que Gary Pepe Charles, son monde qui m'a en pile. Son monde qui m'a suivi en pile. Je suis en pile réserve sous intervention. Mais normalement, je pense que ça dit, l'ontigeant paraît l'aide. Alors nous-mêmes, capteurs de Mkapgadim là, nous prenons le temps de qui ça Claude Joseph te dit Ariel Henry. Ou Claude Joseph ça, monsieur qui grène dans le bout de lui. Monsieur qui testicule l'en fesse, oui. Même si moun sa ou besoin, même foudre même moun sa yo. Moun qui même j'avem, moun qui yon caractère, moun qui pas baisse tête pour garder assassin, pour être l'argent, pour être pouvoir. Y'a garder criminel dans les yeux. C'est moun sa ou nous besoin dans le pays. GPPC, Digari Pierre Paul Charles, questionné. PM non, PM Claude Joseph Consa. En avance, messieurs, dames. Quoi dégage ou raconte ça avec moi? Où font un père grave?
Abdil devant tout le monde qui connaît, comme je suis détenteur d'une certaine quantité d'informations dans le père grave. Oui, mais ça, il est où il va l'avoir. Père Abouti, voilà. Il parlait de ça, mais il va l'avoir dit. Vous faites pour le ministre trembler. Parce qu'on dit, monsieur, s'il n'y a pas d'assassinat, il faut la jeune juge là. Mon clarifié, bah, ça, moi. Est-ce que je suis en train de mentir? Non, et on va mentir. Et effectivement, on va me geler. Alors, effectivement, Gary, et c'est pas l'intention qu'on me fait pour le ministre Tremblay. Et c'était avec objectif. Et on est capable de dire pour me comprendre vraiment ce qui s'est passé. Parce que Gagné, il y a une bonne information, ce n'est pas le deuxième, mais que pas une volonté pour le premier ministre présenter devant le juge d'instruction. Et c'est ça que fait même, on te dit d'abord, et est-ce que vous avez un bagage pour vous avec la mort? Et, alors, ce n'est pas un ministre des Affaires étrangères qui parlait à. Ancien premier ministre. C'est un ancien premier ministre, voilà. Et qui parlait à un premier ministre actuel. Donc, première question à me poser, c'est est-ce qu'il y a un oui avec la mort? Bon, je connais une réponse en table claire que non. La deuxième question, si vous parlez bien un oui avec la mort, pour qui ça? Pour parler à devant le juge. Parce qu'évidemment, et théorie pour le ministre, c'est que s'il présente devant le juge, il faut que le juge a tout révoqué. Je bah, pense ça. Pense... Très bien. Et Claude Joseph, docteur Claude Joseph, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien premier ministre, jeune garçon, haïtien, garçon vaillant, garçon total, Nette Green, si Claude, Jean Boulos était trop lent, pas de problème. Ou fait fierté, peuple haïtien. Ou fait fierté la jeunesse haïtienne. Je n'espère rien croire en vous. Et vous respecte vous. Et vous récompensez ça. C'est le monde ça que nous besoin dans la société. Nous n'avons pas besoin de Michel Malpropre qui vole en Massissi, qui a fait sexe dans l'anus avec Nenel Kassi. Nous n'avons pas besoin comment les vieux gars qui finit à Ariel Henry. Kovlin, qui n'a tout le président qui a fait Massissi. Nous n'avons pas besoin de maman crée tant que Majorie Michel. Nous avons besoin de Corvelin, de Liliane Pierre-Paul, Femme Pierre-Espérance. Nous avons besoin de Massissi Sale, de Timona. Nous avons besoin de criminels assassins, de Nenel Kassi. Nous avons besoin de gang, de la vie de l'huile dans Port-au-Prince, de Beauplan, qui saute dans notre pays. Qui vient tout le monde dans Port-au-Prince. Nous avons besoin de 100 colonnes vertébrales, de Yuri La Torture, qui a baissé de elle, qui a ponclé dans Doum, la caille originale Boulos, dans Pétionville. Nous pas besoin de malpropre ça yo. Nous pas besoin de moun ça yo. C'est des jeunes garçons conséquents. Jeunes garçons pas qu'on a mangé comme si dans plat caille. Viennent pour l'envers dans Pétionville. C'est jeunes garçons ça que nous besoin. Des moun à caractère. Des moun en bas pour qu'on mouille. Moun qui pas pente qui pas qu'on prendre dans droum pour aller prendre clé dans la commune la Pétionville. Nous besoin des hommes à caractère. Des hommes et des femmes qui croient dans le pays, qui aiment le pays. Des hommes et des femmes qui connaissent que ce n'est pas vol pour venir voler, mais venir dans l'État. Mon tankou Claude Joseph. Encore une fois, PM, je vous bravo pour vous. Je vous félicite. Et moi, encourager pour continuer. Sous même lancer ça. Et me promets tout. Moi-même, avec tout l'autre collègue, moi, les amis, famille, moi, gagne en l'air là. Sous les réseaux sociaux. Que me sous même lieu, n'a pas accompagné jusqu'au bout. Et m'a profité pour me saluer. Campagne, Val. Qui parle poser aux questions là. Moi même monsieur ça yo. Et monsieur t'es pas là avec un jour. Me saluer yo. Encore une fois PM,
Moi, je dis bravo. La jeunesse haïtienne, fière de vous. La diaspora haïtienne, fière de vous. Et vous regardez, dans toute vidéo nous gagnons, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur la plateforme YouTube, InfoBetron directement, ou du moins sur toute l'autre plateforme. Yo. Moun yo, respectez vous. Vous regardez les commentaires, vous êtes très positif. Moun yo remè ou. Yo bat bravo pour vous et on dit yo kanpe dey ou. Encore une fois, PM, nation, pays, kanpe dey ou. Et m'dou kembe la balage. On avance pour nous connaître plus de détails sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Là. Et sous Ariel Henry, comme un assassin président Jovenel Moïse. Yo. On avance, PM, n'abtando. Pense que. Pour un premier ministre qui parlait avec un assassin, dans le matin, le président vient mourir, et que bon, là, ou t'es qu'il parler avec n'importe qui monde, il y a plusieurs appels qui fait, ça va lui dire que vous avez un plan mort. Mais il faut ou aller devant le juge là, pour capable de répondre à une question, et le juge là, je pense que c'est au minimum. Il y a un peu de monde qui estime que, au pas de Jovenel, auparavant, donc Jovenel assassiné, ou vin yon porte étendard. C'est-à-dire, dans le monde qui a demandé justice pour Jovenel Moïse. Moun yon pas ka comprendre ça. Est-ce que c'est parce que ou vle utiliser assassinat pour faire un capital politique? Ou du moins, assassinat. Ou croyez que Jovenel Moïse, effectivement, se route pour le jeune justice? Bon, bonjour. Et première réponse, je vais avec ça. Écoutez, dans moins que deux ans, je suis passé de chargé d'affaires, ministre des Affaires étrangères à Premier ministre. On est qui va te connaître. Du tout. Ça, monsieur, c'était bon, moi, c'était confiance qui me déballait toute loyauté. Donc ça, c'est un engagement, son reconnaissance, je dis la reconnaissance, c'est la mémoire du cœur. C'est la première chose. Mais deuxième bagaille, c'est que bataille moins son bataille, question de principe. Il ne peut pas permettre à personne pour étirer la vie. Pas oublier, avant que je dise ça, moi-même, je m'a suivi le président Jovenel Moïse. Alors, je cherche à comprendre Jovenel Moïse, c'est à partir de... Et 15 octobre 2019, c'est le ça, on vient bien comprendre Jovenel Moïse. Et je garantis, non, ça me fait, moi-même, je fais tout. Alors, moi, je ne vais pas mourir, je vais mourir. Parce que moi, je vais tout le monde. Ouais, ah oui, ça est clair. Je vais vider mon tête. Parce que c'est obstacle. Devant la population haïtienne. Il y a ces obstacles pour 12 ou bien pour 11 à 12 millions d'habitants. Pour payer un marché. Ça, on t'a obligé de sauter. L'éclair. Jovenel Moïse, tu es campé dans Figi Negyo, il dit Negyo, je ne vais pas garder ce qu'on a fait là, il n'y a pas qu'à faire comme ça encore. On nous bat, petit peuple là, reste là. Si reste là, on nous bat, peuple là, lit. Et vous n'avez, vous estomaquez, vous relevez Matéli dans le téléphone, Matéli boudé, vous jouez Jovenel, Jovenel Moïse dit président, tu restes là pour le peuple. Depuis le ça, Jovenel Moïse, tu es la molle. Moi-même, depuis le jour ça, depuis ce n'est pas le téléphone, nous tapons pas son croix rouge sous chaque nec. Parce que automatiquement, nous connaissons aussi ennemi pays, aussi ennemi nation, aussi ennemi la jeunesse haïtienne, aussi ennemi la diaspora haïtienne. Ça, tout tape éliminé. Parce que fuck paysan démarrer moi même pas t'a mourir pas de pile million m'a fait l'état civil pas qu'être gros l'argent comme si moi t'a pas mourir n'a pas mourir là pour mourir mais moi sinon espace m'a passé nous la gagne porte bombe là m'éclater mais tout pour qu'avec m'a mourir mais moi seulement pas t'a pas mourir comme si moi avec madame moi t'a victime complot nèg non pas comme ça là fini pour moi complot t'a fait dans la cour la caille moi pour m'pas ta au courant. C'est pas jouet m'a dit nous là, non? Pour m'pas ta au courant. Et des grands de yom, je vous demande de bêtiser. La vie de Jovenel Moïse, comment Jovenel Moïse te fait commencer? Deuxième année, ou pas ta kenègue pour dire qu'on sa que sécurité ou?
sécurité ou pour dire comme ça que c'est Matéli qui a bon sécurité. Sous qui base ça y est même. Qui est capable de comprendre ça? Sous quelque soit forme non, moi même pas capable de comprendre ça. Sous quelque soit forme non, moi même pas capable d'accepter ça. Et ça fait que moi même bien sorry, gon l'âge Matéli rivé, 50 combien l'année, soixantaine très bientôt. Comme si vous avez des bagailles, non, cité. Come on, man. Shit. Est-ce que vous avez dit nous là? Ça veut dire que c'est des bagailles graves. Vous quelque part, il y a des gens qui disent que c'est pas faute de Matéli tout, parce que Matéli est entouré avec trop volants d'entourage, trop assassins, trop criminels, trop dealers de drogue, trop kidnappés, trop de bas Galil. Matéli n'est pas capable de faire ça. Alors, tu sais, toutes les bagailles, ça y est. Qui semblait, qui fait questionner Matéli, mais qu'on y a Matéli tout tourné. On avance nos BM. On l'autre monde, la vie en femme, la vie en garçon. Voir un président qui est en fonction. Donc, c'est une démarche républicaine, mais son démarche de reconnaissance, obligation morale. Donc, c'est ça qui fait que on fait bataille pour le président Jovenel Moïse là, cheval bataillement. Maintenant, l'autre considération, yo, des considérations politiques, quand je quitte mon feu, histoire lui-même l'a dit et reste. Donc, pas qu'une exploitation, dossier à des fins politiques. Non, du tout. D'ailleurs, comment peut-on exploiter l'assassinat tragique d'un président de la République à des fins politiques? D'ailleurs, il y a des gens qui toujours dit que la question, ça, c'est moi-même presque qui l'a dans et mon n'y a pas intéressé avec la question. Jovenel Moïse. C'est ça que mon pensé. Donc, voilà. Moi, pensé que il est extrêmement important et c'est peut-être ça ma félicité Scoop qui lui-même c'est une radio-télévision qui était dans la bataille pour Jovenel Jeune Justice. Et je pensé que c'est une bataille de principe lié. C'est pas parce que Jovenel Moïse a action dans Scoop, non. Son bataille de principe que Gary Pierre-Paul Charles a mené et avec nous qui ici là que nous félicitons. Ou sont dit à l'heure et président Jovenel Moïse a mené une bataille terrible contre les oligarques. Est-ce que qui ça te dit par rapport à bataille ça parce que tu es un petit coup de premier ministre? Et pour qui ça, un monde a posé question, pour qui ça pas des mesures qui te prend pour te protéger, président, par rapport à la bataille, ça, il était impliqué, hein, pour sacrifier, pas triver. Bon, écoutez, moi, je suis dans la bataille contre les gars, tout le monde qui connaît. Et toute cause que le président a menée, je suis embrassé. Pendant le ministre des Affaires étrangères, c'est peut-être que probablement ça va le propulser, comme premier ministre. Les premiers ministres d'alors là décident de démissionner pour convenance personnelle. Donc, président, il de reconnaître que son bataille est extrêmement difficile que l'a mené et pour aller en bataille ça à côté ville. Moi-même, je dis qu'il y a bataille pour président Jeune Justice. Je pensais que les cas côté m'en pile tout. Mais c'est courage et pour moi, à lui-même. Pour ne pas quitter personne intimidé. Donc, vous parlez récemment dans une intervention ou ta fait sur les réseaux sociaux de nécessité pour un vide hein, à combler. Gouvernement Ariel Henry, hein, c'est sûr que il faut qu'on gagne opposition, il vide ça, c'est construit en opposition. La question, comment il va venir? Bon, écoutez, moi-même, j'ai décidé bataille avec tout le monde qui croit que FOC gagne l'élection faite, parce que nous avons un gouvernement qui n'a pas aucun mandat. D'ailleurs, vous allez remarquer gagner un discours dans la rue qu'après les monsieur et premier ministre, président premier ministre. Donc, c'est un discours qui commence à faire autre. Mais deuxième bagarre là, c'est que on a besoin de monde qui commençait par dire conditions pas réunies pour l'élection faite jeudi. On nous connaît que c'est faux, d'accord. Donc ça veut dire que il y a un ensemble de monde qui croit que
faut gagner élection faite le plus rapide que possible. Or, ou pas aucune volonté bon côté gouvernement ça, bon côté premier ministre pour organiser élection. Donc élection extrêmement importante pour capable rééquilibrer vie politique et institutionnelle pays a. Parce que gagner en pile problème. Nous connaissons qui problème qui très probablement qui a posé là avec Sénat. Donc, il est extrêmement important pour l'élection organisée. Parce que le président lui-même, il a un temps qu'on calendrier pour organiser l'élection avant nous, malheureusement. Donc, ça veut dire que la bataille, beaucoup de monde qui croit dans le Sahara, bataille beaucoup de monde qui pensait que Fok vide ou bien assassinat président pas permettre un tyran pour un pouvoir pour lui faire et défaire sans aucun contre-pouvoir. Donc, on pense que ça est important. Bataille pour côté Mounio et pour faire respecter honneur à la fierté haïtien pays. Donc, on pense que moi, je suis engagé dans ça. Effectivement, bon vide parce que les anciens partis de l'opposition, maintenant, ils ont retrouvé le pouvoir. Or, nous connaissons que une démocratie pas qu'à fonctionner sans le contre-pouvoir et on est capable de dire particulièrement opposition. Donc moi-même moi et avec moi quoi dans ça et faut que c'est pas opposition qui est pour ça non pour connaître. C'est ça que les bouts d'opposition en Haïti tout le monde commence sceptique même mon grand diaspora hein, sceptique parce que il connaît qui modèle opposition. Or, on pense qu'il faut qu'on pédagogie de l'opposition pour faire. Peut-être son opposition pour faire la pédagogie de l'opposition. Ouais. Donc, ça, c'est l'aspect ça, on pense que, qui est extrêmement important. Donc, est-ce qu'on sent qu'il y a un monde toujours dans le pays ça? Parce que Jean-Ariel a composé un ensemble de partis politiques qui étaient dehors longtemps, maintenant qui viennent dans le pouvoir, opposition constructive, hein? Ou à parler à et li capable d'implémenter? Oui, justement, le capable d'implémenter parce que qui s'est passé, il y a des jeunes qui ont émergé, il y a des jeunes qui ont pays, il y a des jeunes qui ont pensé pays. Et il y a pile diaspora haïtienne en général. Moun sa ouè pays. Moun sa ou pas quoi dans l'opposition, crasé brisé. Et bien pour toute raison, ça yo, opposition ça, que ancien PM Claude Joseph a prôné, c'est la donne nous nous-mêmes. C'est là dans nous, parce que ça qui passe, moi-même, je suis capable de dire, il faut payer en propre. Ça veut dire que nous finissons avec coopération, yon pèl, yon bouret, yon balé. Ça, c'est une choix de bataille. Parce que je connais que, il y a un groupe de monde qui ne peut pas payer en propre. Et nous prenons le droit si payer en propre. Nous pas exactement si nous avons un grand bouddha pour payer en propre. Parce que je connais la population haïtienne, c'est des monde qui t'a aimé vivre dans la propreté. Mais il y a juste besoin de monde qui peut aider, accompagner dans la bataille. Parce que l'équipe assassin politicien traditionnel, c'est sous fatra qui fait capital politique. Et bien pour toute raison, ça, vous pensez que l'opposition constructive, ça, est capable d'implémenter dans le pays. C'est très important. Encore une fois, PM Claude Joseph, je félicite et je dis mon cher Kembela ou pas pour contre. On avance. On pense toujours qu'il y a espoir. Parce que dérive, il y a évident. Et on a un pouvoir qui n'a pas aucun mandat, qui l'a organisé l'élection, qui l'a aller. Parce que, au carité là, on a eu tête, un mandat de 3 ans. Vous comprenez? Et parce que, tout simplement, il y a là. Et moi, il est extrêmement important pour la population, pour qui gens comprendre. Mon ministre des Affaires étrangères, mon premier ministre, je pas dans le gouvernement encore, pas gain aucun regret. Et au contraire, la formule pour me déréter, me déconner, c'est mon panneau. D'accord? Donc, sans pas dans le gouvernement, je promets que la bataille pour le président Jovenel Moïse, la justice, il a continué. Et la bataille tout, pour faire respecter nous comme haïtiens, il a continué. Et je ne sais pas si Val Kornan, mais sous question de la République dominicaine, la frontière est solide, la frontière est solide. Est-ce que vous êtes au courant que la République dominicaine a suivi vous de vous parler
yo gen atik ki sorti. Et ça va sans raison que Gary, dans l'introduction, il dit que c'est un ministre des Affaires étrangères qui fait trembler la République dominicaine. Donc, maintenant, il y a des gens qui pensent qu'il est capable d'un problème personnel avec Luis Abinader. Bon, on t'a rencontré, on t'a rencontré récemment, donc on t'a parlé ensemble. Donc, et pas quoi thèse, il y a un problème là véritablement. Mais, et nous nous posons la question, pour qui ça ou suivre avec intérêt, par exemple, les actions de Abinader. Par exemple, récemment là, on réagit par rapport à sommet qu'il fait avec Panama et le président costaricien, et il n'a pas invité Haïti dans ce sommet. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur grave le fait qu'il n'a pas invité Haïti dans le cadre de l'alliance? Bon, écoutez, bon, si Dominique va suivre moi, c'est pas une mauvaise chose. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas gagné de problème. Au contraire, moi, pour améliorer, renforcer le rapport de bon voisinage entre Haïti et République dominicaine. Et seulement, ça m'a toujours condamné, c'est l'approche qui est condescendante. C'est-à-dire, sans respect pour Haïti et les Haïtiens. Et si on fait un sommet qui a parlé de Haïti, qui a traité de questions haïtiennes, il est important pour consulter les autorités haïtiennes, il est important pour inviter yo pour dire qui ça a voulu, mais comment il y a une solution à ce problème. Maintenant, tout le bagage qui allait dans un sens contraire, nous considérons comme des bagages qui sont irrespectueux de Sanoye et de pays, etc. Donc c'est peut-être ça. Moi-même, chaque fois que ça est présenté, il faut que moi, je sois capable d'exprimer par rapport avec. Je n'ai pas aucun problème avec Abinader. C'est un président de un pays voisin. Je pense qu'il méritait respect, nous, et haïtiens. Et c'est peut-être ça nous-mêmes. Et nous, par quoi nous avons engagé, nous avons un qui vient à la République dominicaine, ça nous a informé la République dominicaine. Donc, il doit être réciproque, il doit être pareil pour nous. Nous avons mis une petite lumière tout court sur cette question. Il y a rien d'informations qui ont circulé, comme quoi, on fait un pile des ordres dans la diplomatie, il y a des étudiants en République dominicaine, il y a des gens qui ne pas étudiants en vrai et qui joignent. Et visa, et c'est une raison que tu as poussé à Abinader pour une décision de couper le programme de visa aux étudiants en République dominicaine. Qui sont qu'à dire nos souverainetés sur ça? C'est ridicule. Quand ça en chasse les gars, ouais. Vous entendez le tout, hein? Et ça en chasse les gars, ouais, à question visa. Attendez. Où dit étudiant haïtien qui a besoin de visa? Mais c'est l'ambassade, c'est la République dominicaine qui peut avoir visa, n'est-ce pas? Mais comment vous faites? Et si vous pas étudiant pour jeune visa, vous n'avez pas concerné, c'est République dominicaine qui a pas visa. Vous côté mon étudiant même. Donc c'est une n'importe quoi. Ouais, et donc je dis mais et pour diplomatie qui t'en tout ça. Dans diplomatie gagner il y a une série d'événements qui historiques. Moi c'est premier chancelier qui permet environ 40 jeunes cadres au sein du ministère des Affaires étrangères, à servir le pays ailleurs. C'est-à-dire, sorti dans le service central, à la service externe. Puis, fort, monde qui était connu pour de yo, c'était des référents sénateurs, députés, des politiciens, etc. Je dis, moi, organisé concours, monde ça yo aller au fier de tête yo, et m'a toujours dit, yo, faut toujours fier de yo. Parce que ce n'est pas un parrain, un marraine, un sénateur et un député qui permettent que nous allons dehors. C'est un concours qui est fait au sein du ministère des Affaires étrangères. Donc, ça aussi, c'est des choses qui sont extrêmement importantes en diplomatie. C'est entre autres hein, que on l'a dit, on pensait qu'on parlait de. Pierre Blou, très rapidement, mon article qui sortit en fait dernièrement là, c'est la choquant. Puisque il parlait de et possibilité pour que Jovenel Moïse suite à une liste de drug dealers qui a travaillé sous lui. Et c'est une cause qui a occasionné l'assassinat. Donc on est en fait très loyal envers le président et accountable
pour t'a poser rapporter développer président démontrer que son ministre est puissant ou tu es au courant effectivement que le président Jovenel a travaillé sur telle liste? Pas au courant et mais il y a des amis qui t'ont rapporté effectivement que le président est parlé avec eux, il y a un document que l'a préparé là. Ça c'est pour une bagarre, même pas au courant moi-même. Et l'important et pas oublier que New York Times c'est un gros journal, c'est pas une plus gros journal américain. C'est un gros journal et son gros média qui a capacité pour le faire enquête, investigation qui en pile fois tout résultat investigation c'est des bagages qui objectif. Donc on félicite eux pour travailler ça parce que paraît que questionner 70 ou plus que 70 monde dans cadre enquête ça. Maintenant, aspect m'a voulu que qui éclipsé dans regard sous question liste moun qui dans drogue etc. ça m'a voulu qui éclipsé c'est bataille constante contre les oligarques que le président a mené. Et dans la main que nous regardons, par exemple, Badio, John Joel Joseph, pour me citer deux ça seulement, dans quelle famille politique est sorti. Est-ce que vous savez c'est une question de drogue pour venir tuer Jovenel Moïse, ou bien c'est de monde oligarque corrompu qui tue Jovenel Moïse? Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, encore, métisez-moi ça, son crime qui est probablement transversal, qui traversait de famille politique. Je ne veux pas que l'article là, que je félicite le journaliste qui fait enquête ça, mais éclipse aspect important ça. Oligarque que le président de la bataille contre. Est-ce que Nancy crasse information que les amis ont craché ou tibaou? Est-ce qu'effectivement, ensemble de monde. Et qui a gagné un article là, monsieur Baza, sans citer du nom, en fait, personnellement. Non, du tout, parce que lui-même. Il y a deux mondes, effectivement, qui nous disent là. Non, parce que lui-même, il n'y a pas de gagné un document. C'est peut-être pas le président de Paris Lavelle. Mais c'est là pour le président de Finmouri. Parce que le président de Finmouri nous apprend que le monde qui tue Elio, il a cherché un document dans. Il va chercher un document dedans. Donc, les articles New York Times ont sorti, ils disent question ça, et même dit c'est probablement document ça que il a cherché. N'est pas au premier ministre, très rapidement, et Noticias Caracol, et ton paquet de bail sous dos. Donc, certainement, tu as des mains qui sont puissantes qui ont frappé. Est-ce que. Il n'est pas possible, en dépit des critères d'objectivité que New York Times lui-même n'y gagne pour faire des enquêtes, son média en fait très connu. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il y a une demande très puissante, puisque nous comptons comment la politique l'a fait ici, qui a frappé pour écarter le monde sous scène? Oui, ça a dit, parce que les sont peut-être pour nous garder. Parce que. Alors, on a parlé de New York Times, pour une différence avec Noticias. Bon, de toute façon, ça le prouve, c'est que le monde qui tue le président est puissant. Il est puissant en pile. Donc, il a une capacité pour faire en pile de bagaille. Mais, moi-même, je suis capable de dire, ça quoi le trancher, c'est la justice. Parce que, écoutez, le rapport de CPJ qui est là. Très bien. PM Claude Joseph, ou parler. Mais Val, disons, bagay là qui est extrêmement important. Et que moi-même, je fais un bel aller sous lui, ensemble avec famille, amis, plateforme YouTube, Info Bertoyo. Justement, moi-même, je dis le clair, parce que qu'est-ce qui s'est passé? En Haïti, journalistes, je suis capable de comprendre, je peux citer des noms. Parce que moi-même, je dis nous ça clairement, nous-mêmes, la bataille là sur les réseaux sociaux, nous sommes des cadavres gâtés que nous y est. Parce que nous ne pouvons pas perdre. Nous ne pouvons pas perdre encore. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? L'on a fait courir quitter le pays. Parce qu'il met monde pour kidnapper. L'on a fait courir quitter le pays. Parce qu'il met monde pour fusiller. Ça veut dire qui sont pour perdre là encore?
respect ou dignité ou personnalité ou souveraineté comme peuple ou pas foutre que ça encore ou une équipe libanais syrien qui dit ou pas supposé que ça yo ou pas respecter droit ou comme moun dans pays a ou équipe moun qui dit ou pas moun puisque ce n'est tête graine ou c'est paysan yo prou comme bête. Et bien, moun sa yo, en pile moun peut citer non yo. L'homme original Boulos, on a qui fait tout le temps ça, qui fait quantité l'argent ça au nos pays. Il fait le jeune, l'œuvre, le jour pipito. Il fait le kidnapping, il fait le drogue, il fait le zam, il faut mener dans l'état, il prend quantité le vle. Nèg sa yo, si c'est après, on filme tes quantité millions, yo met deux pour y voir chercher Colombien, pour y voir tout le président. Si vous mettez 50 millions de dollars américains dehors pour canaliser le dossier sous le matériel seulement, il y a fait. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème du tout. Tout le monde compte ça. Il y a très puissant. Mais puissance, il y a peuple haïtien qui a stoppé le seul jour. C'est nous qui mettons sur le monde. C'est nous qui sommes millionnaires. C'est nous même qui pas le traiter. Définitivement, on a foutu pour. C'est ça qui est important. Encore une fois, peuple haïtien, je pense que. Et on va aller comme ça, c'est extrêmement important. Mais rendez-vous 7h30 après-midi. Nous allons jouer une cause dans la République. Rendez-vous 7h30 dans l'après-midi. Parce que Claude Joseph bail explication. Claude Joseph parle. Ça, je dis qui est important, que je dis, il vient à l'hôpital pour aller au docteur. Pour le consacre, fait le pape. Si ce n'est pas malade, il malade. Allez, c'est comme ça, moi-même, en pile. Rendez-vous 7h30 après-midi. Qu'est-ce que la balague?